rends grâce à l'Éternel et à son nom. Lève ta voix, rends grâce à Dieu.
Hosanna,
dire Amen. Amen. Amen encore. Amen encore. Amen encore. Amen encore. Amen encore. Je veux la moyenne. Amen encore. Je veux l'examen. Amen encore. Je veux la formation. Amen encore. Amen la grâce. Amène-moi la grâce ce matin. Alléluia. Tu ne m'abandonnes pas. Papa. Papa. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Cette parole dans ma vie. Cette parole dans ma vie. La vérité. La vérité. C'est un thème. C'est un thème. Cette parole pour moi, c'est un thème. Cette parole pour moi, c'est un thème. Père. Père. Je te mets à défi. Je te mets à défi. Mon offrande ce matin. Mon offrande ce matin. C'est d'être dans ta présence. C'est d'être dans ta présence. Et je te mets à défi. Et je te mets à défi. Pour relever ce thème. Pour relever ce thème. Qui dit que je ne suis pas orphelin.
Il dit que je ne suis pas orphelin. Papa, le défi est lancé. Le défi est lancé. Dimanche prochain, je dois venir avec mon témoignage. Je dois venir avec mon témoignage. Papa, c'est trop facile. C'est trop facile. Je sais que je n'ai pas de moyens. Que je n'ai pas de moyens. De venir à toi. De venir à toi. Comme tu le veux. Comme tu le veux. Mais je te demande un Aaron. Mais je te demande un Aaron. Pour m'aider. Un Aaron. Qui me demandera le dossier. Qui me demandera le dossier. Un Aaron. Qui ne va pas voir ce que j'ai. Qui ne va pas voir ce que j'ai. Combien. Mais qui va m'aimer tel que je suis. Mais qui va m'aimer tel que je suis. J'ai besoin d'un Aaron. Lorsque je veux me coucher. Il me dit c'est pas l'heure. Crois en toi. Donne-moi un Aaron. Qui m'encourage. Qui me booste. Qui me fait monter. De la même manière. Que Dieu de gloire en toi. Ce matin. Je m'abandonne à toi. Papa. Tout ce qu'on m'a dit ce matin. Mentionné dans la Bible. C'est le thème. Je te mets à défi. Mon offrande. C'est ma présence. Ce dimanche. En ce lieu. De la même manière. Que tu dis. Que c'est la vérité. Dans le livre de Josué, chapitre 1. Verset 3. Que tout lieu. Que foulera. La plante de ton pied. Je te le donne en héritage. C'est la vérité. Je suis à l'église. Pour venir te mettre à défi. Papa. Mon corps. Ce matin. Est une offrande. À toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. À cet homme, accepte ton miracle. Alléluia. J'envoie à l'endroit le pasteur, le prophète Gabriel à Emmanuel depuis le Bénin, du ministère Terre de délivrance et de victoire. Un shalom dans la haute dimension au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu remplisse encore son ministère et son peuple. Soyez pleinement bénis et que Dieu vous fortifie. J'arrive. On va danser. Alléluia. Est-ce que... Viens, Seigneur, viens. Voici le prophète Gabriel. Viens ici. Voici le prophète Gabriel. Il est là. Alléluia. C'est lui qui est ici sur le pisante là. C'est lui là. Il est là. Voilà. Le t-shirt est parti dans les pays des blancs. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça là. Il est là. C'est un papa, un fils, vraiment une personne bien. Quelqu'un qui sert Dieu, oui. Malgré tout ce qu'il a été. Il vous aime comme s'il vous connaissait. Amen. Il parle de vous comme s'il était déjà avec vous. Amen. Vraiment, une telle personne est digne d'adoration. Il faut qu'on adore Dieu pour sa vie. Et que Dieu vraiment fasse encore et encore au nom de Jésus. Amen. Voilà. Sois béni. Toi aussi, tu seras sur comme ça bientôt. Amen. La dimension. Oh, papa. Alléluia. Amen. Nous bénissons aussi l'apôtre Joseph avec son édition Terre, Trône de la Grâce. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu continue de le bénir. J'ai reçu un message sur lui hier. Disons qu'il donne des messages où il ne cesse de bénir le ministère prophétique et honorer l'onction qui l'a conduit à être là où il est. Amen. La Bible nous recommande d'honorer de telles personnes parce que ce n'est plus l'actualité de nos jours. Aujourd'hui, lorsque l'onction te broie la tête, tu penses que tu es déjà arrivé. Non, ça c'est le test. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons aussi la vie du prophète béninois Mila et de sa sainte épouse. Leur ministère, leurs enfants dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc le ministère de la lumière chrétienne, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et nous prions que Dieu continue de vous briser. Alléluia. Amen. C'est important pour vous. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons aussi toutes les personnes qui sont connectées sur notre page.
Nous bénissons nos parents qui sont du côté de la Turquie, qui sont du côté du Sénégal et aussi du côté du Nigeria. Soyez pleinement bénis du Libéria et de la Sierra Leone. Alléluia. Amen. Mes rapports avec mes frères sont toujours d'actualité et c'est fait. Soyez bénis. Amen. Donc toi, je n'ai pas cité le nom, sache que la semaine prochaine, je vais peut-être citer ton nom, que Dieu te bénisse, ne te fâche pas, prends ça comme ça et que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la réussite aime les gens qui refusent d'abandonner. Alléluia. Amen. La réussite aime les gens qui refusent d'abandonner. Regarde ton voisin aux yeux et dis bien, la réussite refuse des gens qui refusent d'abandonner. La réussite. Alléluia. Amen. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est la vérité, non? Oui, papa. Mais le bonheur a besoin d'argent pour durer. Amen. Malheureusement. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec vous parce que tu as. Mais le jour où tu n'auras pas, la personne va commencer à plier les bagages. Alléluia. Amen. La personne va faire quoi? Enlever le corps. La dernière fois, nous avons parlé ici de quoi? Nous avons parlé que nos vies sont comme un arbre. Dans cet arbre, il y a des feuilles, il y a des branches, il y a des racines. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont avec vous par saison. C'est peut-être la saison de certaines personnes autour de toi d'être à côté de toi. Mais toi aussi qui es un arbre, il ne faut pas t'enorgueillir. Parce que Dieu peut toucher aussi quelqu'un de venir aussi te couper. Et faire de toi des papiers. Parce qu'on fait des papiers là, avec les arbres. Alléluia. Amen. Et comme plaquelle, on fait ça avec ça. Donc ne sois pas coupé comme un papier qu'on va brûler au feu. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, sur ce papier-là qu'on va faire la demande, où on va mentionner, doit réussir. Alléluia. Amen. Donc, faites attention aux gens qui partagent ton bonheur quand tu as de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dis à ton voisin, fais attention. Dis à ton voisin aussi, ce qui vaut la peine prend du temps. Alléluia. Amen. Dis, ce qui vaut la peine prend du temps à se construire. Tu peux commencer quelque chose dans la lenteur, mais si tu as une vision, Dieu te donnera la provision de l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne stresse pas. Même si autour de toi, il n'y a personne, ne stresse pas parce qu'on t'appelle village. Un jour, on t'appellera ville. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois, on disait que tout était un district. Aujourd'hui, c'est un département. C'est devenu une commune. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. On voit petit ici là pour les yeux des personnes qui ne t'aiment pas, mais pour Dieu tu es grand. Amen. Alléluia. Amen. Quand on amène là n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux demander à ton voisin de te montrer sa main? Dis, montre-moi ta main. Il dit aussi, frère, que je vois ta main. Que je vois ta main. Je prophétise. Que cette main-là. Et que cette main-là. Doit compter les millions. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a attrapé la main de l'autre? Lève la main. Tous ceux qui ont attrapé la main de quelqu'un, Dieu va vous surprendre. Amen. Favorablement ce mois. Amen. Alléluia. Amen. Vendredi ici, on vous a dit que la promesse est un mot. Parce que le prophète relâche la parole et il donne une instruction. Le fait d'attraper, c'est physique. Quand tu attrapes, c'est ce qu'on appelle les actes. Amen. On préfère les actes au lieu des mots. Je vais te donner, je vais ceci, je vais cela, c'est bien beau. Mais on veut les actes. Et les actes, c'est quand tu as attrapé l'autre. Et toi qui as attrapé, you are béni. Amen, you are blessed. Receive une bénédiction. Yeah, thank you, Jesus. Ok. Maintenant, à l'appel de ton nom, tu viens faire ton témoignage. Nous appelons ici un témoignage.
la sœur Marie. Je ne sais pas laquelle de Marie, mais ils n'ont pas précisé ici. Donc les deux Marie vont faire leur témoignage. Malheureusement. Parce que j'aurais voulu qu'on reste comme ça. Voilà. Commence ici la position. Un père. Ouais, tu sens que là, ça commence à venir. Ce jaune-là est accompagné d'une couleur stramacage. Amen. La couleur stramacage. Merci. On accompagne. Alléluia. Attends, la bloque d'abord. Toutes les personnes qui sont là, qui ont des téléphones Android, veillez d'abord rentrer dans la page. Parce qu'à un moment donné, on a du mal à recevoir, à avoir le culte jusqu'à la fin. Souvent, ça bête parce que vous ne mettez pas les trucs là. Likez, voilà, je crois, les cœurs. Parce qu'il y a les autres aussi qui sont connectés. Et souvent, ils n'ont pas de son. Alléluia. Amen. Donc, vous qui êtes là, commencez déjà. Et toi aussi, qui nous suis là-bas aussi, commence. Isaac, sur un fond sonore, tu nous accompagnes, mais pas de volume. Si vous aimez le volume, one, 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 voilà. C'est ça. Acclame, encouragez. Tu sens que la même fait même les hommes. Amen. La fait les hommes. Oui. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom. Vous allez écouter le témoignage de la sœur Marie. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Alors. Shalom daddy, shalom pasteur Tony. Shalom. J'ai trois témoignages ce matin, mais je vais aller vite. Je tiens d'abord à demander les excuses au Seigneur parce que dimanche passé, je devais témoigner, mais je n'ai pas parlé de ça. Papa pouvait dire le dimanche qui est passé dernier que... Commencez à partager. Il y aurait des vols. Et il faut bien fermer vos maisons pour sécuriser vos voies. Et le lundi, en me rendant au boulot, ma grande soeur m'appelle et me dit... Marie, le voleur est rentré à la maison. La première chose que je lui ai demandé, c'est qu'il est rentré ou chez moi ou bien chez toi. Elle m'a dit non, il n'est pas rentré chez toi, il est rentré chez moi. J'ai dit, oh Seigneur, Daddy a parlé, prophétie. Après, elle m'a dit non, ils sont juste rentrés, ils ont pris les téléphones. Et au stade là, ils voulaient soulever de l'argent sur Marie, s'est réveillée. Je viens bénir encore le nom de l'Éternel pour cela, pour la sécurité et la protection divine parce qu'il y a eu des graves dans ma maison. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est pour mon lieu de travail. J'ai béni l'Éternel parce que nous avons eu la visite d'une personne à ce lieu et nous avons été gratifiés de contrats. Je crois que c'est une personnalité. Personnalité. Ok, vas-y. Une personnalité à notre lieu de travail qui nous est rendu visite et qui nous est remis le contrat nous permettant d'exercer notre commerce. Pour cela, je viens bénir le nom de l'Éternel. Alléluia, sois béni au nom de Jésus. Mon troisième témoignage, c'est pour le mercredi de l'enseignement et le vendredi de la révélation. Parce que je bénis l'Éternel pour le mercredi. C'est vrai que j'avais la flemme souvent, le corps pesait de venir souvent les mercredis et les vendredis. Je ne sais pas combien parce que j'allais au commerce. Mais cette semaine, j'ai été touchée. Allez, allez au commerce, allez au travail. Allez au travail. Amen. J'ai été touchée et j'ai dit, Seigneur, peu importe ma semaine, je dois me rendre le mercredi et le vendredi, peu importe le rendez-vous. Et c'est comme ça que mercredi, quand je suis venue, durant l'adoration de son serviteur, le prophète, ah papa, que Dieu te bénisse encore, il y a des choses qui se sont passées dans mon corps. Et des prophéties qui relâchaient dans la louange et l'adoration me concernaient sur la famille. Et c'était personnellement adressé à moi. Et quand je suis rentrée le mercredi, j'ai fait des cinq sujets de prière. Et le vendredi ici, pendant l'intercession, je n'ai rien compris. Comment ça partageait toujours? Le ventre est en train de bouillonner et je ne faisais que vomir. Vomir, vomir. Je regardais comme si dans mon ventre, des dépôts des hôtels, les liens de famille, les liens de nom. Pour cela, je viens bénir le nom de l'Éternel pour ma délivrance. Et je crois par la foi que c'est fait. Amen. Papa, que Dieu te bénisse, augmente encore ton onction et que ta vie soit sécurisée. C'est même ça, la foi. Amen. Sois béni. Nous appelons ici l'évangéliste Osé Maï Malamba. Pas de temps. Voilà.
Shalom. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour ma restauration, parce que le vendredi de la révélation, j'ai envoyé un message au prophète dans la journée disant: papa, j'ai le pied qui est plus que volumineux, et je pouvais ressentir à l'intérieur quand je marchais comme s'il y avait de l'eau. C'est-à-dire je marchais mais il y avait des choses pas normales. Quelqu'un dit le 15-7. Donc lorsque je suis arrivée le vendredi, le prophète a prié. Et aujourd'hui, ça va mieux. La raison pour laquelle je me suis mise sur mes plus hauts talons pour humilier le diable et pour dire qu'il est menteur. Amen. Pour ça, je bénis Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu poses. Là, frère, ça ne va pas marcher. Il m'a dit non, tu as trop sauté. Ça là, nous appelons ici le frère Denis. Avec son jumeau. Dans le jumeau de Samoy, c'est la dimension. Le crogo, dans le lit. Encouragé avec l'acclamation. Alors, Jésus. Alléluia. Amen. Shalom, Père de Dieu. Shalom. Shalom, Papa. Shalom. Shalom, Papa. Shalom. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa sécurité dans ma vie. Je rends grâce aussi pour ses bienfaits dans ma vie et pour le soin de vie qu'il m'a encore accordé en ce jour. Je rends grâce à Dieu aussi pour tout s'est bien fait, malgré mes défauts, et continue à me sécuriser mes sorties, mes entrées. Amen. Et la grâce aussi qui déverse dans ma vie et toute ma famille. Amen. Shalom. Alléluia. Nous appelons la sœur Mélindy Tendance. Merci la sœur. Elle ne peut témoigner même en bas. Voilà. Elle témoigne en bas. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Bon, ce matin, je veux rendre grâce à Dieu déjà pour le type de vie. Et je veux surtout rendre grâce à Dieu parce que il a réconcilié ma famille qui était dispersée depuis près de 2 ans déjà. Et je veux bénir. Vraiment, le nom de Dieu pour ça. Et continue de bénir papa parce que c'est son enseignement qui a occasionné ça. Donc, être à garder 9 mois, vous n'entendez pas. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi, la dimension? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je viens m'asseoir avec toi là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Qu'est-ce qui s'est passé pour la réconciliation? Ça s'est passé comment? Autorisé, tu avais l'alliance d'être marié. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai bien témoigné, c'est un grand témoignage.
J'ai béni Dieu pour ma famille, premièrement. Deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a ajouté encore une année. Vraiment, j'ai bien rendu grâce à Dieu. Le mois passé, c'était pour madame. Mais le mois-là, j'ai dit, madame, le jour-là, nous allons être ensemble. C'est le jour arrivé, c'est ce jour. C'est 7 mois. Alléluia. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu, Dieu de mon père, Guy Péronkeo. Je viens rendre grâce à Dieu pour le ministère prophétique de la repentance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Tony, Maman Blanche. Joyeux anniversaire, ils vont se faire des bisous, ils vont se faire. Ils vont se faire des bisous. Amen. Place, madame. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. En fait de ça, madame. Oh, soyez bénie. Amen. Vous êtes né le mois de la tête. Madame, janvier, l'autre février, c'est la tête. Amen. Au début de l'année. Alléluia. Amen. Nous appelons ici la sœur Marie Lamance. Yao, 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 namilolo. Yao, 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 namilolo. Yao, 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 namilolo. Yao, 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 namilolo. Yao, yao, hein, je parle comme ta voix. Shalom, peuple de Dieu. Moi, j'ai déjà des problèmes avec. Parle seulement avant de venir. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu encore pour le souffle de vie, pour la vie de ma famille, pour vos vies également. Je viens rendre grâce à Dieu encore parce qu'il me remplit encore de joie. Une joie vraiment inexplicable. La semaine dernière, vraiment, j'étais mal. Je sentais mon âme triste. Mais lorsque je suis venue à l'église, j'ai été rassurée par l'adoration, Jésus par les enseignements. Donc je vais vous saluer. Alléluia. Jésus ma camarade. Appelé ici. Oh, la liste est quasiment bientôt terminée. Bon, après ça, alléluia. On appelle Esther. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'avoir la moyenne. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'avoir la pensée. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de te faire encore. Shalom. Tu sais, quand son masque est partout, elle est coupée partout, tout ça là. Là, le temps que le courant arrive, souvent ça vibre un peu. Oui. La main vient, tu dois te t'aider. Mais papa est où, c'est? Le papa est où? Le père. Voilà, le renfort.
Voilà. Oui, on t'écoute. Bien, remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Béni pour ma vie. Béni pour ma vie et la vie de tout le monde. Alléluia. Ce qu'elle m'a fait la semaine. Témoignage. Alors, peuple de Dieu, je bénis Dieu encore pour ma merveilleuse vie, ma merveilleuse propriété. Déjà qu'elle est habillée comme un ange. C'est ça. Tu veux quoi? Le bouquet? Tu sais, une famille qui est proche des ancêtres. Ma parole n'a pas écouté. Hein? L'évangile s'est dit, a dit. Mais elle désire, elle n'a pas dit. Elle n'a pas appelé mon lord, mon bijou. Ouais, ça c'est ça. Tu sais que la taille présidentielle, eux ils sont proches des ancêtres. Ils sont directement avec les ancêtres. Vraiment. C'est pourquoi eux facilement ils peuvent nous réveiller après. Amen. L'autre qui était dans la corde de la girafe, elle prend l'école du policier là-bas pour ses noms. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ah, l'affaire là c'est compliqué. Il y a ton bazar qui sent la pluie. Il attend avec et sans la pluie. Sans la pluie. Rien ne pousse. Rien ne pousse. Il faut parfois accepter. Accepter. Les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie. Pour aller plus haut. Aller plus haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais te fortifier rapidement avant qu'on ne passe à la prédication. Vous savez, nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les derniers temps. Je voudrais m'adresser plus précisément aux parents, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des enfants ou qui sont responsables des enfants. N'élevez plus les enfants comme à votre temps. Les choses ont changé. Les réalités ne sont plus les mêmes. Alléluia. Et ça ne va plus changer. La technologie ne fait qu'évoluer. Ne ramenons pas les enfants à notre époque. Toi, à ton époque, tu allais à la rivière. Ma son époque, lui, doit être à la piscine, là où l'eau est bleue. Vérité. Ne sois pas complexé. Vérité. Alléluia. Amen. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Il faut avoir un enfant qui grandit sans avertir, peut rencontrer son frère ou son cousin. Et après, vous allez parler de la prohibition de l'inceste. Pour éviter cette prohibition, nous devrions déjà commencer à vous éduquer. Donc, chrétiens, apprenez à balader vos enfants. Amenez vos enfants aussi à la plage. Amenez vos enfants à la baie de Roi. Ça va les éviter d'avoir. Les choses ont changé. Avant, avec 25, j'avais 3 gâteaux. 3 gâteaux, 3 bédoumes. Les bédoumes qu'on vend aujourd'hui à 50. À notre époque, avant, c'était 25. Maintenant, à leur époque, c'est 50. Donc les choses ont changé. Alléluia. Arrêtez d'être trop dur avec les enfants. Sinon, ils vont développer d'autres applications. Et ça, je parle aux parents chrétiens. Tu n'as pas l'argent, ne te cache pas derrière les temps passés. Tu es un parent guémbé. Et il faut savoir assumer ta guémbénisté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Si tu n'as rien, toi l'enfant, asseyez-vous à deux, adorez l'Éternel. Tu attrapes à la mer, tu dis, vous adorez jusqu'à ce que les larmes vont couler. L'enfant aura des émotions, un ange peut descendre là, pour dire non. Vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité, hein, en plus. Hein. Alléluia. Amen. Et oui,
La seule chose qu'il ne faut pas accepter, c'est l'amour. Il ne faut pas accepter que l'enfant, par contre, rentre dans l'amour. Mais accompagne ton enfant à être toujours propre, agréable et parfaite. Ou parfait. Alléluia. Amen. Voilà. Et toi aussi, tu es enfant, il ne faut pas qu'on veuille aussi tes saints. Parce que ce sont les boules de tête et là qui vont t'amener à avoir les cheveux coupés. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut faire attention. Et tous les enfants chrétiens là, arrêtez d'aller n'importe comment là, les TikTok. Là, vous voyez les enfants comme vous en train de s'embrasser, vous commencez à dire feu. Alléluia. Amen. Ne regardez pas ça. Là, vous voyez les films pour les parents. Il faut toujours regarder les films. Là, vous voyez même moins d'eux. Si ton enfant n'a pas moins de ça, non. Et même si, il faut toujours arrêter. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en train de suivre un film. Ça, c'était à l'époque. J'étais avec un de mes fils. Et puis, c'était Canal. Vous savez que Canal, ils sont très poussés. Ça dit, quand la scène arrive, tu ne te rends pas compte. On la voit, le film, il est concentré. Je dis, petit, bouge. Bouge de là. Alléluia. Amen. Et tout le suite, il commence à dire, papa, pourquoi tu me chasses? Il me dit, pourquoi tu me chasses? Depuis ce jour, j'étais en plein 14h. Je ne pouvais pas mettre un film où on voit des choses bizarres devant les enfants. Nous autres là qui avons des petites télévisions là, le temps de prendre le drap pour marquer, c'est trop tard. Tu as des enfants même qui commencent pendant que tu cherches le drap, ils l'ont. Vérité, papa. Que Dieu commence à vous guérir. Alléluia. Il doit faire quelque chose. Prends ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de Job. Et pense à l'hiver. Job, chapitre 34, versets 21 à 23. Le thème de ce matin, c'est le point, ne joue pas au cache-cache avec Dieu. Il te connaît et te voit. Ne joue pas au cache-cache avec Dieu. Il te connaît et te voit. Job 34, verset 21. Commencez à partager, s'il vous plaît, avant qu'on y rentre. Il ne faudrait pas que ceux qui nous suivent puissent ne pas avoir le son. Parce que le but que nous émettons ici, depuis un certain temps, plus Dieu grandit son serviteur, grandit son ministère, grandit l'onction, il y a souvent des interférences au niveau de la réception de notre page. Donc, commencez à partager d'abord. Pendant que tu partages, je vais adorer Dieu. Le temps de poser le message. Alléluia. Le thème, c'est ne joue pas au cache-cache avec Dieu. Il te connaît et te voit. Job 34, verset 21 à 23. Commence à prendre ton téléphone et partage à 15 personnes. Pour toi et 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 c'est toi et c'est toi et c'est toi et Allez, c'est toi.
à sa paix, à ses enfants, à son ministère. Le fait que tu pries pour toi, prie avant qu'on ne passe au message. Il y a des choses que je peux faire pour toi, mais il y a des forces qui se lèvent contre pour dire ah. Ceci, et ça ne parle pas à tout le monde, ça te concerne toi. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Car il connaît leurs œuvres. Point. Assieds-toi. Car il connaît leurs œuvres. Qui te sauve? Car il connaît leurs œuvres. Amen. Bien-aimé, avant qu'on ne commence à rentrer dans ce sujet assez important, je voudrais ici, l'évangéliste Eddy et la chante, viens. Donc vous avez les lunettes. Mets-toi ici, auto. Alléluia. Amen. Voyez-vous ces deux personnes. Je commence cette prédication avec une illustration où vous devez comprendre. J'ai besoin de cet enfant. Viens. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'enfant de la relation des deux. Alléluia. Amen. Elle n'est pas encore au monde. Viens. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 7, avant que cet enfant que vous ne connaissez pas là ne soit au monde, avant qu'elle ne soit dans son ventre, Dieu la connaissait. Amen. Avant que cet enfant que je vous ai présenté physiquement là, avant que vous puissiez la voir, Dieu connaissait cet enfant. Amen. Ce que cet enfant l'a fait. Ce que cet enfant l'a fait, pasteur Tony Vienne, il n'y a que Dieu qui connaît. Alléluia. Amen. Là où tu es assis ici, tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. Pasteur Tony ici représente la présence du Saint-Esprit. Il est dans le spirituel. Pasteur Tony est dans le spirituel. Il voit cet enfant que toi et le monde n'ont pas encore vu.
si Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, au verset 5, qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Ça veut dire que tu ne peux pas te cacher de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, papa. Dieu connaît son serviteur. Il connaît celui qu'il a créé. Il connaît sa servante. Il connaît celle qu'il a créée. Lorsque lui est venu vers cette dame, ou quand cette dame est venue vers lui, l'enfant n'était pas encore là. Il a fallu que lui, il mette des stratégies pour amener cette dernière à épouser sa vision. Amen. Pour épouser sa vision. Mais si elle ne comprend pas la vision de l'homme, il sera très difficile qu'ils arrivent à destination. Et en cours de route, il y aura rupture. Amen. C'est ce qu'on a fait. La mère est là-bas, le père est là-bas. Mais si les deux prennent du temps à s'asseoir et regarder le fruit de leurs entrailles, ils ne devraient pas se retrouver aux affaires sociales. Ils ne devraient pas se retrouver en réunion de famille. Ils devraient tout régler sur place. Vérité, papa. Personne ne peut se cacher de Dieu. Personne ne peut se cacher de Dieu. Le problème, c'est que Dieu, il est tellement bon et lent. La bonté de Dieu ne doit pas nous emmener à nous détourner de la sentence. La bonté de Dieu ne doit pas nous amener de nous détourner de sa parole, parce qu'il veille à sa parole. Et de la même manière que Dieu veille à sa parole, il nous dit dans le livre de Matthieu 10, 41, il demande de veiller et prier. Amen. Pourquoi Dieu nous demande de veiller et de prier? Parce que Dieu tient compte de sa parole. Il tient compte de sa parole. Toutes les personnes qui font des choses dans le noir, Dieu voit. Si Dieu peut commencer à voir un enfant de cette relation, ça dit, lui ne savait même pas qu'un jour il devait rencontrer cette dame. Cette dame ne savait pas qu'elle devait rencontrer un jour ce monsieur. Mais de cette relation-là, Dieu a déjà positionné un enfant. Ça veut dire que Dieu a l'ADN de tout ce que tu peux faire dans la lumière et dans les ténèbres. Amen. Attention avec Dieu. Attention à jouer avec Dieu. Fais attention ce matin à ton éducation. Fais attention à ce qu'on t'a dit. Ne livre pas l'éducation de ton père parce que tu veux faire plaisir à la chair. Je ne suis pas un prédicateur qui va passer du temps en train de m'apesantir sur le sexe. Parce qu'aujourd'hui, il y a des réalités plus importantes que le sexe. Et l'Église est en train de tuer l'Évangile en parlant seulement de la fornication. Mais la fornication n'est pas le seul problème qui doit amener quelqu'un à aller devant Dieu. Lorsque tu le dis, les gens commencent à dire, oh, il veut commencer à protéger. Je ne protège rien. Sur le plan scientifique, avant de rentrer dans la dimension de la théologie spirituelle, le sexe est d'abord recommandé sur le plan scientifique. On est d'abord d'accord. Parce que de cette relation, de cet accouplement, il y a ce qu'on appelle détente. Et il y a relaxation des nerfs au niveau du corps de la femme et au niveau du corps de l'homme. Qu'on appelle des hormones. Ça s'explique sur le plan spirituel. Et sur le plan physique et scientifique. Mais lorsqu'on arrive dans la dimension spirituelle, on dit non au sexe à cause de quoi? On dit non au sexe à cause des échanges. Parce que si dans ta famille, il n'y avait pas les choses négatives, il n'y avait pas la sorcellerie, il n'y avait pas les rites du mouti, à cause d'un homme mutiste ou d'une femme mutiste,
lorsque vous vous accouplez, si l'un est très faible, les comportements spirituels de l'un va aller dominer la vie de l'autre et ça peut tuer sa destinée. Le seul moyen qui permet de légaliser cette action, ce n'est que le mariage. Amen. Mais ce n'est pas le seul péché et on est en train de tuer l'évangile de Jésus. Alléluia. Amen. Il ne faut pas mal exploiter l'évangile. Il y a des personnes qui font des choses pires que ce domaine. Et ils sont en train d'éduquer plusieurs personnes à ne même pas aimer, ni croire en leurs parents, amis et connaissances. Aujourd'hui, quand tu vas dans les PK, les Rio, etc., tout ça, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un seul langage. C'est né de qui? C'est né d'une seule personne. Qui a fait quoi? Qui a influencé tout le monde. Même quelqu'un qui va naître dans les quartiers comme on m'a dit à Konda, il va commencer à marcher comme on va dire aujourd'hui, on appelle ça les bangados. C'est né de qui? Une seule personne. Il ne marche pas comme ça à cause du sexe. Il n'insulte pas sa mère à cause du sexe. Il ne parle pas de respect à son corps à cause du sexe. Mais c'est à cause d'un comportement qui est très troublant. Et qui fait du mal à la société. Les jeunes aujourd'hui deviennent des potentiels dangereux pour la société. Lorsque vous êtes dans les tribunaux, ce ne sont pas des personnes. C'est toujours des enfants. Soit c'est un enfant qui a pris le couteau. Soit c'est un enfant qui a blessé. Soit c'est un enfant qui a fait ceci. Soit c'est un enfant. Mais ça n'est de quoi. Voici des comportements qu'il faut neutraliser pour délivrer un père et une mère. Lorsqu'ils ont mis au monde leur enfant, il n'avait pas le projet d'assassinat. Mais l'enfant, avant 14 ans, avant 13 ans, avant 10 ans, avant 18 ans, il devient un super assassin. Aujourd'hui, cet enfant, où il s'est privé de son argent, elle s'est privé de son temps, elle s'est privé de plein de choses. Pour cet enfant, aujourd'hui, comment sera sa vie? Serait sa vie? Elle ne serait que dans les larmes. Mais ne peut pas abandonner parce qu'elle a gardé dans ce ventre 9 mois. Souvent même, elle a un signe. Elle a un signe au bas de son ventre, césarienne, qui montre quoi? La douleur, l'enfantement. Et lui aussi, facilement il peut se détourner, mais elle, c'est pas possible. C'est pas possible. Vérité, papa. La Bible nous dit dans Jérémie 1:5 qu'avant qu'on ne vienne sur la terre, Dieu nous connaissait. Ça veut dire qu'on doit avoir peur de Dieu. Ça veut dire que quand on a un problème, au lieu d'aller se lamenter chez n'importe qui, au lieu d'aller voir tout le monde, nous devions faire quoi? Ce matin, ayons l'éducation de fléchir nos pieds au sol. Rentrons dans notre champ. Fermons les yeux, parlons à Dieu, pleurons devant Dieu. Amen. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Il entend tout le monde. Il y a un niveau lorsque tu parles à Dieu par la louange et l'adoration. La Shekinah de Dieu se fait sentir dans la chambre. Amen. Et quand tu sors de la chambre, la réponse est là. La solution est là. Le problème de ta vie, c'est que tout le monde te connaît. Et ce matin, fais attention à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas content de savoir que tu sois dans le bonheur. Lorsque l'enfant de deux arrive, elle devient physique. Elle devient physique. Elle est révélée au monde. Alléluia. Amen. Elle est révélée au monde. Attrapez votre enfant. Attrapez l'enfant. Voilà. Elle est révélée au monde. L'enfant elle-même, elle veut regarder au Créateur. L'enfant elle-même, là où elle est là, elle a du mal à regarder le monde. Elle regarde toujours au Créateur. Vérité, papa. Elle doit toujours regarder au Créateur. Et toi qui es enfant, regarde toujours au Créateur.
Regardez au Créateur. Regardez au Créateur. Même si la vie vous amène à perdre le coup et le repère, ne faiblissez pas. Ne faiblissez pas. Tu n'as pas de travail, reste calme. Tu n'as pas d'argent, reste calme. Tu n'as pas à propos de ce que tu veux par rapport à ton reste. Amen. Amen. Acclame Jésus. Je rentre dans notre sujet. J'espère que tu es commencé à comprendre. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut souvent retenir que jouer au cache-cache avec Dieu est un danger. Vous venez à l'église, demandez la prière, demandez le réconfort. Vous vous moquez de la sainteté de Dieu au travers le service, au travers la prédication, au travers les conseils des hommes de Dieu. Mais rassurez-vous, vous ne le faites pas. Vous ne faites pas à l'homme de Dieu, vous vous faites mal à vous-même. On voit Dieu au travers un homme. C'est toi qui vis de pénitence. C'est toi qui vis des calvaires dans ta famille. Tout est dur pour toi. Mais quand tu viens à l'église, on te prêche sur la foi. On te prêche sur la fortification. On te prêche sur la patience. Mais toi, tu te laisses dominer par la chair. Tu te laisses dominer par les pulsions. Tu te laisses dominer par les conseils de la famille. Tu te laisses dominer par les liens de famille. Et tu te dis chrétien, et lorsque tu n'as pas de résultat, oh l'église là, je n'ai rien vu. Dieu va te condamner. Attention, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, il faut apprendre à prendre une décision. Et soyez vrai avec vous-même. Je vous ai toujours appris ici. Pour éviter de jouer au cache-cache avec Dieu. Parce que vous ne pouvez pas jouer au cache-cache avec lui. Livre Satan, dis Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je veux m'abandonner à toi. Je veux marcher selon la parole. Mais c'est difficile autour de moi. Père, je n'ai que ma beauté pour avoir quelque chose. Je n'ai que mes diplômes pour avoir quelque chose. Je n'ai que ce défaut-là. Aide-moi. Aide-moi. Apprenez à parler à Dieu. Amen. Au lieu de faire des cache-cache. Entre la route et ici, vous êtes déjà plus de 50 bonbons mentholés pour étouffer l'odeur de la boisson. Qui m'a acquis? Amen. Tu viens à l'église, mais en semaine, quand tu ne viens pas ici, une soeur, une voisine, un voisin va t'influencer quand tu allais voir un ganga. Et toi aussi tu dis oui. Et il te convainc en te disant c'est Dieu qui a créé les feux. Mais vous iriez tous en enfer. Vous allez vivre au calvaire. Parce que lorsque tu viendras vers l'homme de Dieu, quand il t'imposera la main, il ne trouvera pas la sanctification du retour de la prédication qui est relâchée. Il ne trouvera pas ça. Là où tu as amené ton corps, là où tu as amené ton corps chez cette femme, là où tu amènes le corps chez cet homme, où tu vas faire n'importe quoi avec la femme, tu fais n'importe quoi avec l'homme, bien aimé dans le Seigneur, la prière de l'homme de Dieu là n'aura pas d'effet dans ta vie. Tu vois même que le fait d'être avec cette femme, le fait d'être avec cet homme, le fait d'aller à cet endroit là ne grandit pas ta foi et ne grandit pas ta vie. Mais comme tu es moulé d'émotions, tu veux tuer ton âme. Mais la Bible te dit, la Bible dit, la Bible dit ici à 21, Job 34, 21, il dit, car Dieu voit la conduite de tous. Tu passes ton temps à vénérer le chanvre. Tu passes ton temps à vénérer les pierres. C'est bien de bien voir.
bois encore, que Dieu bénisse ta boisson, que Dieu bénisse encore ta cigarette, que Dieu bénisse encore ton langage impudique, ton langage très sale, que Dieu bénisse ton accoutrement. Tu t'habilles très mal, tu mens devant Dieu. Quand tu viens à l'église, c'est en ce moment où tu veux commencer à mettre des longues robes. Dieu va te condamner. Il va te condamner. Tu ne te fais pas du mal. Tu ne fais pas du mal à l'église, mais tu fais du mal à ta vie. Parce que si tu n'es pas sanctionné directement, ton enfant payera cela. Ton enfant payera cela. Laisse-moi te dire, le tout n'est pas de la prière en disant, Seigneur, je te demande pardon. La prière s'accompagne des actes. La prière s'accompagne des actes. Amen. Une prière sans actes n'a pas d'effet. Sinon, la Bible ne parlerait jamais d'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est quoi? C'est la décision. Tu veux quitter le péché. Tu veux quitter une relation. Sois en accord avec cet homme ou cette femme. Va dire à cette femme, madame, monsieur, on a prêché à l'église que je dois me purifier, je dois me sanctifier. Qu'est-ce que tu dis? Vous devez la remettre en prière. Même avant d'aller parler à cette femme, avant d'aller parler à cet homme. Tu ne peux pas prendre la décision seule de dire, moi je ne veux plus coucher avec la femme là, je ne veux plus coucher avec l'homme là, parce qu'on a dit à l'église, tu vas échouer. Vérité. Tu vas échouer. Vérité. Toute chose dans la vie se prépare. Même pour laisser le vin, il faut d'abord parler au Dieu de l'alcool. Parce que l'alcool est un Dieu avec petit dé qui pousse les personnes à se détourner du bon sens. Il y a des entités de famille qui aiment vous voir en train de trébucher, en train de devenir rien dans la vie. Vous devez être en accord. Vous devez prendre une décision sur le Dieu de la boisson. Mais si tu prends la décision de dire, je ne bois plus, tu vas échouer. Et ça va t'amener à faire quoi? Cache-cache. Amen. Cache-cache. L'Éternel a dit à Adam, Adam! Il dit Adam, tu es obligé de te connaître, tu vois. Obligé de faire quoi? Accuser. C'est la femme que tu as dit à côté. Qui a demandé ça? Non. Parce que quand tu as prié, maman blanche n'est pas encore arrivée. C'est la réponse? Non. Alors, vous deviez prendre une décision. Mais on ne prend pas une décision physique. Ce qui te pousse. Enlever la gloire de Dieu dans ta vie n'est pas physique. Ça a commencé spirituellement. Le problème de ta vie n'est pas physique. Le problème de ta vie est spirituel. Aujourd'hui en Afrique, le problème des Africains, avant que le parent, en Europe, avant que le parent ne meure, il est ce qu'on appelle un testament. Mais ici en Afrique, le parent meurt d'abord. Et puis après, il vient en songe. Il dit que, oh, Nouda, regarde, il faut prendre soin des petits frères, oh. Il faut prendre soin des petits sœurs. Ça là, il faut envoyer le feu. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Amen. La vie en Christ n'est pas toujours celle qu'on a besoin. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, j'espère que tu m'écoutes. J'espère que vous m'écoutez parce qu'il s'agit de la parole et ça vous concerne. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, quand on vient à l'église, ce n'est pas pour être influencé, mais c'est vous qui devez être influencé. C'est pas à l'église. Pourquoi? Mais parce que tu ne viens pas à l'église par toi-même. C'est Dieu qui t'attire. Si tu t'attires, c'est pour proclamer quelque chose. C'est pas parce que tu n'as pas le micro que tu n'es pas utile. Ta prière agit. Amen. Et ta prière délivre. Amen. Ta prière est là pour régler. Le seul problème, c'est que cet endroit est le lieu où tu dois dégager le ciel. Tu dois délivrer tes parents. Tu dois délivrer ta famille. Donc tu es un élément important. Ne te laisse pas influencer. Amen. Mais toi influence. Parce que tu es recommandé. Amen. Si tu veux adorer Dieu assis,
si tel est le poussé par l'esprit, fais-le ainsi. Si tu veux t'allonger, allonge-toi. Mais la Bible dit, Dieu te voit. Amen. Continue à faire semblant. Continue à faire semblant. On prêche ici. On enseigne les hommes. On enseigne les hommes. On vous enseigne. On vous enseigne. On vous fortifie. On vous donne des exemples. Mais vous tombez pour une petite épreuve. Un plus un. Vous tombez dans deux. Ce n'est pas une équation de AX carré plus BX plus C est égal à zéro que tu peux résoudre. Pour atteindre cette maturité, tu dois être fort dans la tête. Amen. Tu dois être fort dans la tête. Amen. Tu dois maîtriser les formes canoniques. Amen. Tu dois maîtriser le discriminant. Amen. Mais tu as une petite épreuve. 1 plus 1, tu tombes. Et si tu n'es pas dans son sorcier, dis avec moi, Ewele. Alléluia. Amen. Acclame un peu mon Dieu. Acclame Jésus. Acclame. Acclame mon Dieu. Acclame Dieu mon Dieu. Acclame. Alléluia. Je vais te parler, je n'ai pas continué. Amen. Je vais te parler. Il faut que tu comprennes pour éviter le péché devant Dieu. Si tu n'as pas encore fait le deuil avec le vin, toi. Si tu n'as pas encore fait le deuil avec la sorcellerie, va faire. Si tu n'as pas encore tenté de faire le deuil avec l'impudicité, les impuretés, va encore faire. Mais quand tu seras fatigué, viens dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça paraît peut-être tranchant, bizarre. Comment le prophète peut demander aux gens d'aller boire encore, d'aller fumer? Mais c'est biblique. Celui qui veut s'enivre, qui s'enivre. Mais il aura toujours quoi? Le résultat. Grand dragueur, sans esprit, sans expérience, il est toujours comment? Au CTA. Et ils ont toujours, ils n'ont pas besoin du TCB. Hein? Ceux qui sont touchés par la maladie, hein? Ils n'ont pas besoin du TCB. Parce que tu vois combien les cheveux sont déjà. Ça dit les cheveux sont déjà bien arrangés. Alléluia. Amen. Ça quitte seul. Parce que quand conseil, tu dis non, je suis bon, je cherche. Tu vas avoir les cheveux sans le TCB. Quand tu te lèves, ça glisse seul. Les joues qui étaient comme ça. Ça devient. Quand tu vois même, quand tu as un peu mal à la tête. On voit même les veines qu'on ne pouvait pas voir. Parce que quand tu es conseillé, tu as dit, je connais la vie. Au lieu de demander à Dieu de te donner une femme multiforme, une femme, Romains 12:2, qui a les capacités de réchanger un homme aussi, Romains 12:2, qui a les capacités de se reformer. Il y a des dimensions pour vous renouveler même votre situation physique. Vous deviez voyager. Sans voyageant, vous allez reprendre de nouveaux logiciels. Mais vous non, tu avais changé à côté. Mais c'est à côté là. Parce que à côté va te rendre fauché. À côté là va te rendre dans l'endettement. Parce que même à côté, il faut t'en occuper. Et généralement, dans ce petit pays, au Gabon, à partir de 14 ans, une fille a déjà 3 enfants. 14 ans, 3 enfants. Amen. Tu vas être le père des deux autres enfants là. Chaque enfant son père. Amen. Alléluia. Amen. Et si toi tu as un copain ou un prétendant, on ne sait pas. Oh, quelqu'un appelle papa, il faut demander quel type de papa. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dis à toute personne qui t'appelle de préciser le type de papa. C'est pas un affaire. Alléluia. Amen. Ah, appelle-moi papa Tony. Papa court, c'est suspect. Alléluia. Amen. C'est comme ça comment quelqu'un va appeler devant toi. Un enfant va appeler ton mari, papa. Tu penses que c'est papa dans la foi. C'est papa. La dimension. Et comme l'homme est toujours fort. Oh, mais pourquoi il se semble à toi? Tu dis non. C'est qu'il est dans les cieux, il est dans la terre. La même manière qu'il est. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. La Bible dit, il a les regards sur les pas de chacun. Il a les regards sur les pas de chacun. Qui Dieu?
Qui Dieu? Qui Dieu? Par le prophète, qui Dieu? Ce que tu fais dans le noir, Dieu te voit. Ce que tu fais dans la lumière, Dieu te voit. La manière que tu critiques ta mère, Dieu te voit. La manière que tu vas tromper ton mari, Dieu te voit. La manière que tu joues avec le jeune, Dieu te voit. La manière que tu joues avec ton commerce, Dieu te voit. La manière que tu manques de respect à ton corps, Dieu te voit. La manière que tu es en train de faire des choses bizarres à la douche et dans ta chambre, Dieu te voit. Ce qu'on a besoin de faire, témoin. Il ne va te faire ça. Dieu. Moi, j'aime le verset. Prends-moi au verset 11. De Job 34, 11. Job 34, 11. Écoute bien ça, ce n'est pas moi. Écoute ce que Dieu dit. Parce que vous pensez que oh, le prophète est trop présent. Il y a quand même. Oh non, le prophète a dit, ah, le prophète, mais Dieu est là. Dieu est témoin. Dieu témoin, oui, vas-y. Ta Bible dit quoi? Fais-moi un verset. Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre? La Bible dit quoi? Qui nous instruit? Qui nous quoi? Instruit. Job chapitre 34, verset 11. Job chapitre 34, verset 11. Job chapitre 34, verset 11. Je t'écoute. Oui, il dit. Lève-toi. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Selon ses œuvres. Tu manques d'être dans la présence de Dieu. Pour recevoir ce que tu lui as demandé il y a 2 semaines, il te donnera selon que tu le négliges. Vérité, papa. Il te donnera selon qu'il te dise. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux venir à l'église. Tu peux arriver à l'église. Et il faut retenir ceci. Notre vie en Christ est comme Jacob, qui a épousé 2 femmes, Léa et Rachel. Rachel était la femme désirée de Jacob. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rachel ne pouvait pas donner à Jacob ce qu'il a. C'est qu'il a. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église pour désirer Rachel, mais Dieu te donnera qui? Léa. Parce que c'est Léa qui va faire engendrer qui? Le Messie. Le Messie viendra par Léa. Le Messie viendra par Léa. Tu veux la TX, mais Dieu te donne la Carina. Parce qu'un jour, tu peux ne pas avoir d'argent. Mais quand tu te pointes avec Dieu, les gens montent. Amen. Ils n'ont pas peur. Pourquoi? C'est Carina. Amen. Ça peut dire quoi? L'argent. Amen. Amen. Acclame Jésus. Ah. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, il faut taire sa volonté. Retournons à Dieu. Demandons à Dieu. Parce que quand tu es arrivé sur cette terre, tu n'avais aucun programme. Tu n'avais aucun programme. Le programme que tu as, le corps que tu as, la beauté que tu as, la face que tu as, les envies que tu as, tout ce que tu as, Dieu connaît. Amen. Si ta vie ne marche pas, si ta vie est difficile, au lieu d'aller chercher les onctions chez tout homme de Dieu, on va t'imposer les mains, on t'impose même les serpents, on t'impose n'importe quoi. Prends tes 2 pieds, fléchis-les et parle à Dieu. Alléluia. Amen. Je te parle. Je n'ai pas fini. Alléluia. Amen. Termine-moi le verset 11. La Bible dit quoi? Il rétribue à chacun selon ses voies. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tiens. 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 Est-ce qu'ils savent ceux qui sont dans ce sac-là? Non. Alléluia. Amen. Qui a donné? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas. C'est pas son. Monsieur. C'est pas son sac. C'est pas son sac. C'est pas son sac. Mais Dieu sait pourquoi il te donne ce sac. Vérité. Il sait.
Et laissez-moi vous dire, là où j'ai pris les sacs de différentes personnes là, j'ai donné à d'autres personnes. Si elle commence à prendre, mettre la main dans les sacs, vous commencez à jouer avec les sacs là, comment sera le cœur des personnes qui appartiennent les sacs? Seront pas contents. Alléluia. Amen. Et pourquoi ils ne seront pas contents? Parce que le sac ne appartient pas à notre. Alléluia. Pour lui. Alléluia. Amen. Parce que ça va, c'était pas pour lui. Mais Dieu va t'enlever ta bénédiction. Il va donner ça à quelqu'un d'autre. Quand tu viens à l'église, tu dois d'abord recevoir ce qu'on appelle le brisement. Amen. Dieu doit d'abord te briser. Même dans une relation, peu importe la relation, même au travail, il faudrait qu'on te secoue un peu. Tant que tu ne sens pas les secousses, sache qu'il n'y a pas Dieu derrière ça. Tu peux commencer le travail, ton activité, il n'y a pas de clients en début de journée, mais en fin de journée, si tu es resté vigilant et tu restes connecté à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Avant 14h, il va te surprendre. Le miracle. Ou à la fin, il va te surprendre. Amen. Mais Dieu surprend toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il surprend toujours. Et il va te surprendre. Amen. Jacob, tu connais. S'il avait épousé Léa, je ne crois pas qu'on devrait avoir les 12 tribus de Juda. On ne devait pas avoir ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il change les princes en rois. Il change les chômeurs en travailleurs. Amen. Ne t'inquiète pas. Le plus important pour toi ce matin, c'est que si tu n'as encore rien ou tu n'as plus d'espoir, confie-toi en l'Éternel. Amen. Mets la foi et travaille. Travailler veut dire quoi? Ça veut dire que tu te lèves. Tu vas déposer les dossiers. Vérité. Dieu a déjà béni tes mains. Il a béni tes mains. Il a béni quelque chose en toi. Il t'a dit, va faire le commerce. Mais toi, j'ai les enfants. J'ai mon gars. Si je m'avais fait le commerce, il y a une fille qui va le regarder. Tu vas perdre la route du ciel. Vérité. À cause de ce car. Tu vas voir le gars en train de rentrer au paradis avec le strauss. Et toi, tu vas aller brûler en enfer avec le cadavre. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Ne venez pas changer l'ordre de Dieu. Dieu avait dit, et je finis par là. Oh, merci Seigneur. Je voudrais quand même terminer. Parce que il y a encore un truc là que je vais déposer, mais on attend un peu. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Rebecca. Qui connaît Rebecca? Rebecca, c'était la mère de Jacob. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Rebecca. Il a dit à Rebecca, lorsqu'elle allait se confier au prophète, quand elle allait à la montagne, Dieu a dit, dans ton ventre, je te mettrai deux nations. Il y aura deux nations. Il y aura deux nations. Il y aura deux nations. C'est là d'où vient le pouvoir des hommes de Dieu. C'est-à-dire, Dieu donne la capacité à un homme de voir le ventre, de voir ce qui se passe là-bas, de voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'échographie, tout ça, le progrès technique là, est né de quoi? De la parole. Mais le plus petit sera le plus grand. Qui était le plus petit? Jacob. C'est pourquoi quand Jacob est venu, alléluia, amen. Non, petit tableau là-bas. Et il a oublié que il a bloqué le pied de Saül. Et Saül est né avant. C'est pourquoi il était où? Et il avait un pied un peu façon. Pourquoi? La marque. Le pied et le petit frère avaient déjà été passés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Isaac s'apprête à mourir, il doit relâcher quoi? La bénédiction. Et qu'est-ce qui se passe? Il appelle le plus grand. Bien aimé, l'homme de Dieu peut ne pas avoir la révélation de ta vie.
Mais la personne qui appartient, qui est connectée à lui, peut avoir la révélation. Rebecca avait la révélation. Isaac n'avait pas la révélation. Isaac était le fils d'Abraham. Et pourtant fils de prophète. Lui-même prophète. Mais il n'avait pas la révélation de Dieu. Mais ce sont les personnes connectées. Comme pour te dire, là où tu es là, tu peux avoir plus de révélation que le prophète sur certains points. Mais comment venir parler au prophète? Comment parler à Papa Tony? Comment expliquer ce que j'ai vu? Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Et Dieu vous rendra coupable toutes les fois où il passera par vous pour vous montrer des songes, pour vous montrer des rêves sur le ministère, sur la vie de son serviteur, sur la vie de ta mère, sur la vie de quelqu'un. Quand tu ne relâches pas, il te demandera des comptes. Amen. Il t'a fait confiance, il t'a montré. Parce que dans un véhicule, la portière est importante. Le volant est important. Le moteur aussi. Les pneus aussi. Les freins aussi. Le pasteur lui-même, c'est le frein. Pasteur Tony, c'est le moteur. Isaac, c'est l'électricité. Henri là-bas, lui-même, c'est le fauteuil. L'évangéliste Élie, c'est le klaxon. Mélendi ici là, c'est la toiture. L'autre là-bas, Roland, elle là-bas, c'est le carburant. Bon, le prophète, c'est le chauffeur. Le membre. Tout ça là constitue quoi? Le véhicule. Amen. C'est le véhicule. Mais quelqu'un va dire, oh, je n'ai pas de chose qui ne me concerne pas. Dieu va te demander des comptes. Tu es en train de fermer ton ministère. Tu fermes ton ministère. Tu fermes ta confiance avec Dieu. Tu fermes ta confiance avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu fermes ta confiance avec Dieu. Parfois, ce qu'on vient chercher à l'église, Dieu ne nous donne pas ça comme à notre temps. Il nous donne ça à son temps. Amen. Avant de nous donner la sagesse, avant de nous donner le repos de ce qu'on veut, il veut qu'on travaille d'abord pour lui. Amen. Il veut qu'on travaille d'abord. C'est pourquoi il va nous donner Léa pour faire encore 7 ans. 7 ans. Et là où tu es là, ne faiblis pas. Ne faiblis pas parce que tu n'as rien. Ne faiblis pas et ne joue pas au cache-cache avec Dieu. Sois prêt avec lui. Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Amen. Prends aujourd'hui la résolution d'être vrai avec lui. Présente-toi à lui tel que tu es. Et il te donnera ce qu'il est. Amen. Et ce qu'il a. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Lève-toi, ma prière. Alléluia. Amen. Si la Bible nous dit, dans le livre de Daniel chapitre 2, au verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. Alléluia. Amen. Si la Bible nous dit qu'il change les temps, ça veut dire qu'il va changer ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Là où l'homme a voulu que tu sois malade, tu es malade là, c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu sois malade. Parce qu'il ne faut pas que Satan te recrute dans la guérison. Si tu avais toute ta santé, tu ne l'invoquerais pas de la même manière. Mais ta maladie là n'est pas une fatalité ou une fin. Ta maladie est une épreuve. Amen. C'est un test pour Dieu. Amen. Ton problème est un test pour Dieu. Amen. Tu n'es pas indéfiniment malade ou dans la même situation. J'ai prié ce matin. Amen. Que Dieu ouvre la porte. Amen. Vers Aaron qui va te dire amène le dossier. Amen. Et que cette semaine-là, tu puisses recevoir ton emploi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va changer ton emploi. Il va changer ton emploi. Il va te donner un emploi meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Et tu auras beaucoup d'argent. Je te le dis en esprit et en vérité. Amen. Je fais asseoir ma parole dans le pot de chant 1-1. Qui dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. L'argent qu'on te donnait, Dieu va changer ça. Tu n'auras plus les miettes. On te donnera de l'argent dans une enveloppe kaki. Alléluia. Amen. Tu auras de l'argent dans une enveloppe kaki dès maintenant. Et je prie que Dieu te donne une carte. Une carte bancaire. Une carte bancaire. Il va charger ta carte. Alléluia. Amen. Dieu va charger ta carte. Ne fais plus.
ne joue plus au cache-cache. Tu veux quitter le péché, rentre dans un travail de forme, parle à Dieu. Il te donnera les armes pour aller dire au péché, c'est fini toi et moi. On dit force. Amen. Fini avec les excès de table. Et la Bible dit dans Éphésiens, il rachète le temps. Amen. Le temps que tu as perdu dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, il va te donner une femme qui va multiplier beaucoup de choses. L'homme avec qui tu étais là, tu pensais que le fait qu'il te prenait les 30 000, les 100 000, les 500 000, c'était la multiplication. Non, c'était une addition soustrastique. Alléluia. Amen. Une addition soustrastique. Maintenant, Dieu t'emmène un homme, une femme, un enfant, un travail qui va te donner une multiplication bénédictionnelle. Amen. Oh, ton amen là de mon amen. Alléluia. Jésus. Dis à ton voisin, ne joue plus au cache-cache avec Dieu. Le cache-cache avec Dieu. Dis, ne joue plus au cache-cache avec Dieu. Ne joue plus au cache-cache avec Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Livre Satan. Livre Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux peut-être me poser la question qui est Satan? Oh, prenez-moi rapidement, s'il vous plaît, Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Oh, 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 oh. Oh non! Oh, la parole! Ah, Dieu est bon. Galates chapitre 5, verset 19. Voilà Satan. Voilà ce qui retient encore les hommes en captivité, où les hommes se cachent. Comme tout à l'heure, on risque de tomber dans un pot là-bas. Attends. Oh, les œuvres de la chair. Oh, les œuvres de la chair. Sont manifestes. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Les choses semblables. Voilà ce que vous faites toujours au quotidien. Vous vous cachez derrière ça. Maintenant, si tu as des envies, en semaine, cherche le prophète. On va prier pour toi. On va te donner le code. Si tu vas encore chez les Nganga, viens voir le prophète. Si tu vas encore chez les sectes, viens voir le prophète. Amen. Si tu as donné une petite bouteille, viens voir le prophète. Amen. Si on t'a dit que tu manges beaucoup, peut-être que ce n'est même pas toi. C'est le serpent qui est dans ton ventre. Qui mange. Ça dit que toi-même tu manges, tu ne ressens rien. Ton corps est toujours comme ça. Mais tu manges 4 assiettes, 3 spaghettis viande, 2 poulets, 2 coca litres. Tu bois, tu n'es pas rassasié. Viens voir le prophète. C'est un esprit qui est au ventre. Alléluia. Moi, ne vous cachez. J'ai donné un code aux enfants de MPR. Quand vous arrivez dans un mariage, si le riz est tellement bon, quand vous prenez la louche, quand vous prenez la, vous appuyez ça bien. Vous appuyez. Première louche, wow, tu appuies. Deuxième louche, wow, tu appuies. Troisième, wow. Quand tu vas t'asseoir là, quand tu vas en pisse, tu fais là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu manges le riz comme le curry. Pop, pop, bouf, tu manges. Pop, pop, parce que si je t'aime, on va dire, oh. Dans la vie, il faut être alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. On acclame Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Tu prends ton offrande, tu viens de poser ton offrande au nom de Jésus. Ok. Ça bénit le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui nous ont suivis soyez bénies au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ne jouez plus à cache-cache avec Jésus. Soyez vrais parce qu'il est